Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit « Oui, mais moi je suis célibataire ». Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale, d'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux, avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié. Vous adaptez en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord. Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec... Oh, mais je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là, c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis, le petit oracle que je vous sors pour durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Scorpion, bonjour à vous pour notre petite lecture de vie sentimentale pour février-mars 2023. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Donc petit rappel, on va faire cette lecture sous la forme du cœur. Le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour vous, signe du Scorpion. Et le côté gauche, ma gauche, c'est pour le partenaire. Vous adaptez évidemment en genre. Je vais parler du partenaire pour des raisons évidentes de verbe. Mais vous adaptez il, elle, ça va de soi. Aussi, le partenaire, qui est-ce? Alors, c'est évidemment la personne que vous considérez être votre partenaire. Mais ça peut aussi très bien être un partenaire de travail, un partenaire en amitié, un partenaire de famille, un associé. Voilà, vous adaptez juste l'intensité des émotions. Et puis, vous pouvez l'appliquer à toute forme de... on va dire de relation qui en ce moment peut vous interroger. On a la 3 d'épée, on va voir si elle ressort. Alors, voyons voir. Donc, Scorpion, signe ascendant et lune, au cœur de votre lecture, nous avons la grande prêtresse. Alors, arcane majeur. La grande prêtresse nous parle surtout de tout ce qui se passe de manière inconsciente. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a mensonge et qu'il y a tricherie. Ça veut dire que de part et d'autre, la relation travaille, se développe, se déploie de manière à ce que vous n'en soyez pas encore complètement conscient ni l'un ni l'autre. Ça peut être un amour en préparation, ça peut être une révélation en préparation, ça peut être quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui est en train de se passer en soi. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça se prépare tout doucement, et quand ce sera mûr, quand ce sera prêt, quand ce sera le moment, pouf,
Ça va arriver, ça va remonter jusqu'au conscient et de part et d'autre, vous prendrez conscience de ce qui est en train de se préparer. C'est ça, la grande prêtresse, d'accord? C'est tout ce qui se passe derrière notre regard et qui est en préparation. Et comme c'est le point de départ de la relation, il n'est pas impossible que ce soit un amour qui se prépare ou une relation d'amitié qui est en train de se forger, mais ce n'est pas encore remonté jusqu'au conscient. On continue. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit. Qu'est-ce que je vous disais? L'as de coupe, ah, et la 7 d'épée. Alors, votre état d'esprit à vous est au tout nouveau départ amoureux. La coupe, c'est votre cœur qui vous sonne un nouveau départ. Ça déborde d'émotions, ça déborde de bons sentiments. Voilà, il y a plein d'eau, c'est très spongieux. Mais avec ça, on a la 7 d'épée qui, elle, nous parle de manipulation, de tricherie, de... Mais ce n'est pas forcément non plus... Enfin, c'est pas, j'allais dire mauvais, c'est pas, oui, mauvais, c'est pas dramatique. Pour moi, c'est aussi un petit peu, je fuis parce que je veux pas admettre ce qui est en train de se passer. Vous comprenez? Il y a de la fuite, il y a de la tricherie. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais comme je ne l'assume pas dans ma tête, je fuis. Je fuis. On va voir, on va essayer on va continuer, on va voir comment ça se développe. On fuit aussi parce qu'on a peut-être peur d'être pris dans quelque chose qu'on n'est pas encore prêt à assumer. Je vous l'ai dit, c'est encore dans l'inconscient. Il y a de temps en temps peut-être des petites bulles comme ça qui remontent à la surface, mais ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore net. L'état d'esprit du partenaire, wow, pff, le diable. Et la reine d'épée. Ok, le partenaire, c'est niet, exclu. Et ça, je pense que peut-être que vous le sentez. Reine d'épée, ça veut dire qu'il a cette épée devant son cœur et personne ne passe. Mon cœur n'est plus alloué, du moins pour le moment. D'accord? Niet. Fini, rideau terminé. C'est je veux personne dans mon cœur. Ça nous explique aussi que le partenaire est peut-être en train de passer une épreuve. Il est peut-être en train de passer une épreuve durant laquelle il doit peut-être être seul et il est traumatisé peut-être à l'idée qu'il y a à nouveau quelqu'un dans son cœur. Le diable, on est pareil, on est un peu dans la manipulation, on est dans le j'ai trop peur de me retrouver à nouveau emberlificoté dans une relation, j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur d'être soumis à quelque chose, à quelqu'un, c'est pour moi, c'est niet. D'accord? État d'esprit du partenaire. On continue. Vous, la prochaine, c'est votre passé d'où vous venez. Waouh, ben dites donc, vous venez d'un éboulement sur le plan émotionnel. Vous provenez d'un espace où vous avez été choqué par une nouvelle, par une information. Ça peut être une rupture, mais ça peut aussi être une déclaration d'amour ou une prise de conscience. D'accord? C'est l'éboulement, c'est l'information, la nouvelle choquante qui vous a laissé les chaussettes sur les mollets et la bouche grande ouverte. D'accord? Donc, je ne sais pas, ça peut être une déclaration d'amour, mais ça peut aussi être une rupture. Le partenaire, son passé, il était tout en amour, la reine de coupe. Le partenaire provient d'un espace où c'était donnant-donnant. J'ai de l'amour, je le donne. Un côté très maternant, un côté très doux, un côté j'ai de l'amour à profusion. Venez à moi, je vous en donne. Je serre dans mes bras même des personnes inconnues. J'ai beaucoup d'amour à donner et je le donne, je le donne, je le donne, je le donne. Je ne regarde pas, je le donne. Position suivante, c'est les actions que vous vous engagez. Elle revient, elle était tombée, vous vous souvenez? Ok. Alors, action que vous vous engagez. 3 d'épée et 2 de deniers. Pour moi, la 2 de deniers, ici, elle nous explique que vous hésitez. Vous jonglez avec des valeurs. On est dans les actions engagées, hein. Vous jonglez avec des valeurs. Ça peut être je fais table rase du passé et je me réinvente une vie sentimentale.
Ça peut aussi être non, j'ai besoin de temps pour prendre soin de mon cœur et retirer ces épées de mon cœur qui proviennent probablement du passé. Vous jonglez parce que vous êtes meurtri, vous jonglez parce que le cœur est blessé, vous jonglez parce que vous savez que vous allez avoir besoin de temps pour vous remettre de tout ça et vous ne savez pas trop comment agir et quoi faire là maintenant. Il suffit que à cet instant, une nouvelle histoire d'amour se profile, on comprend mieux pourquoi vous dites non, c'est trop tôt, c'est pas le moment, je préfère botter en touche, c'est pas le moment. C'est ce que moi je comprends là-dedans. On va voir le partenaire, les actions engagées, l'as d'épée et la 5 de coupe. Dites donc, c'est une histoire, waouh! Le partenaire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il est ici en train de constater l'étendue de ce qu'il a perdu. Il constate l'étendue des dégâts, il constate l'étendue de ses regrets et il constate l'étendue de sa mélancolie. Ce qu'il veut mettre en place, parce qu'on est toujours dans les actions engagées, c'est couper net avec tout ça, trancher, trancher, laisser tous les remords dans le passé et s'offrir un nouveau départ. Un nouveau départ peut-être avec vous, peut-être avec quelqu'un d'autre, un nouveau départ différent, même seul, pourquoi pas. Ce qu'il veut, là, il est en train de travailler à laisser tous ses regrets derrière lui et à se concentrer sur son avenir qu'il veut clair, net, précis. Il ne veut plus perdre de temps à remuer le passé, il ne veut plus perdre de temps à regretter une parole, un geste, une action. Il veut définitivement se tourner vers son avenir, trancher, couper net avec le passé et regarder droit devant. Le conseil qui vous est donné à vous, pareil, deux bâtons. Vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir choisir si vous partez à droite ou si vous partez à gauche. Quelque part, vous avez déjà choisi, parce qu'on voit ici qu'il tient un de ses bâtons par la main, vous avez déjà choisi, il s'agit maintenant d'assumer. Il s'agit peut-être d'attendre que le conscient prenne conscience de votre choix, prenne conscience de la situation et vous pousse à aller dans la direction que vous avez envie de prendre. D'accord? On continue. Je vais vous dire un autre truc. Et le partenaire, 8 de bâton, le partenaire, lui, le conseil qui lui est donné, c'est de communiquer. Parler, communiquer, échanger. Voilà, communiquer. J'ai l'impression qu'il s'agit en fait surtout vraiment d'absorber quelque chose qui provient du passé. On comprend que vous hésitez, que vous êtes un peu dans une situation, voilà, vous êtes un peu sur la balance là. On comprend que vous avez besoin d'un peu de temps pour absorber les informations là qui arrivent, qui sont là. La dernière, c'est l'issue vraisemblable de la relation à ce stade. 4, voilà, j'étais sûre. Quand je disais qu'il vous faudrait du temps à vous, oh là là, le temps. 4 d'épée, c'est celle qui suit tout de suite la 3 d'épée, les 3 coups de poignard dans le cœur. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de recharger de vos batteries, vous avez besoin de faire le tri dans vos pensées. D'accord? Et avec ça, on a la reine de deniers qui nous explique que vous devez prendre soin de vous. Alors, c'est l'issue vraisemblable. Hein, donc c'est ni vous ni l'autre, c'est les deux, c'est la relation qui a besoin de temps pour se refaire une santé, je dis bien une santé, et c'est confirmé par la reine de deniers qui nous explique ici que si il reste quelque chose qui a de la valeur dans votre relation, par exemple la communication, par exemple l'estime l'un pour l'autre, c'est quelque chose dont vous allez prendre soin pour que ça puisse continuer à grandir et peut-être aussi encore continuer à vous réunir et l'un et l'autre. C'est pas, moi je vois pas une rupture
je vois pas une rupture brutale, nauséabonde, avec plein de revendications. Non, je vois pas ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'une nouvelle vous a heurté. Vous avez un état d'esprit qui est plus, tous les deux, qui est plus dans l'autoprotection, dans le recul, dans le je me barricade. Mais on sent bien que vous êtes aussi à un carrefour où vous vous posez plein de questions. Donc encore une fois, s'il y a quelque chose à préserver dans la relation, si c'est une relation existante, amicale, amoureuse, vous allez le trouver et vous allez essayer de le protéger pour que ça puisse peut-être éventuellement refleurir plus tard, une fois ce creux de la vague, cette crise passée. D'accord? Je le vois un peu comme ça. Je ne sais pas ce qui vous a heurté. Il y a une nouvelle, une information qui vous a heurté et qui est visiblement vous plonge dans un peu de réflexion ici. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui est dans la boutique et dans la rubrique hors série. D'accord? Faut pas chercher ailleurs, c'est dans le hors série. Alors, on a ici notre grande prêtresse en point de départ et on a l'empereur. Waouh! Ok. Votre état d'esprit à vous ici, il est à la 8 d'épée. Ouais, vous vous sentez bloqué. Regardez, elle veut tout dire cette carte. Ça flamboie derrière vous, ça fait peur et vous restez bloqué, stagnant dans une situation. L'état d'esprit du partenaire, les amants. Ok. Les actions que vous vous engagez ici. On a le roi de bâton. Excellent. Très bien. Action engagée de la part du partenaire. On a l'as d'épée. Il l'a deux fois, le partenaire. On va en rajouter une après là-dessus. Et puis ici, le conseil qui vous est donné, Scorpion, on a la 4 de denier. OK. Au partenaire, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de denier. Vous avez des jeux qui sont assez similaires, hein, je dois dire. Et puis ici, l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, on a la 3 de coupe. Vous voyez, plus de légèreté. Ça devient plus léger. Et là, l'univers. Fin d'une étape et le départ d'une nouvelle étape. Bon, voilà. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les trois lectures et vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Vous pouvez aussi aller voir le signe du partenaire si vous voulez en savoir davantage. Le lien pour l'extension est là-dessous. Et puis, moi, je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en scorpion. C'est toujours aidant, c'est toujours utile de voir comment un collègue de signe traverse cette période. Et puis, sinon, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures du mois de mars. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.